ça le t'es capable de faire, c'est quitter enquête là faite, et c'est enquête là qui pourra déterminer et est-ce que et PA te gagne gros cop sur lui, est-ce qu'il te sur faire une transaction. Alors que toute information que nous gagnons en nous, je vous dis, c'est que PA c'est mais ce qu'il te sur faire. Et bon, en même temps, nous connaissons des efforts à faire pour joindre monde qui est responsable Zaxa et enquête là li très avancé au niveau instance dans la police et qui l'a pour ça et nous espérer avant et année a fini avant yo et enterrer père avant funérailles là et y a la police a communiqué qui côté enquête là y est qui ça rejoindre et pour et vraiment crime ça parité impuni. Plusieurs organisations dans l'opposition démocratique populaire comme Movide, Molegaf, annoncé un marche pacifique pour vendredi 29 décembre contre corruption et puis pour demander aux autorités dans la justice faire lumière sur la mort Père Joseph Simoli, bandit exam moun pas arrivé identifié tétouillé jeudi 21 décembre. Marche ça selon organisateur yo a dérapé sous champ de masse devant monument des Salines là pour monter devant ministère la justice et devant l'église Sacré-Cœur côté Père Joseph Simoli t'a bail service à après pour l'albout devant paquet tribunal civil Port-au-Prince pour y allemand de justice pour PA. Dirigeant organisation ça yo mandé tout pour Sénat prononcer sur rapport commission éthique et anticorruption Sénat mettait d'ailleurs depuis quelques jours sous l'agent Petro-Caribéa. Une après l'autre, Franzi Pierre à Cabel Loreston. Avant nous commencer, n'a mandé une minute silence. Non, non, Père Joseph Simoli. Yon potori garçon, yon nèg vanyan, yon nèg ki tap mené yon lutte contre corruption. Bandi sans foi ni loi, voye la long pays sans chapeau. Ensemble d'organisations politiques ap mande justice. Justice, justice pour Père Simoli Joseph. Ensemble d'organisations, la yon moun di la défend droit moun et puis en battable la pren kòb. Comment ça relé? Corruption. Les yon bon parlementaire, les pour prendre une décision, c'est un battable, yon oblige à prendre quoi? Comment ça relé? Corruption. Et les quoi Venezuela, comme si yon baye pour faire développement dans le pays, quoi ça? Yon prend, yon foule dans le poche, yon fait affaire pa yon. Comment ça relé? Corruption. Et nous pensons dans l'optique ça, nous-mêmes, en tant qu'organisation politique, nous prenons décision pour nous faire mobilisation, mobilisation dans tout le pays. Ensemble d'organisations politiques, MGL, MOVID, Parlement Populaire, Assemblée Militaire, INO, Stab Revolté, COJORAM, AJPBA, Code 9 Roche, BOD, Monégraphe, invité tous militants conséquents, tous citoyens engagés, étudiants, professeurs, monde syndical là, dans un gros marche pacifique contre corruption, jusqu'à vendredi 29 décembre 2017 à 18h après avoir commencé marche là. Mais en même temps, tout, c'est marche là pour permettre que nous demandions justice pour Père Joseph Simoli, que bandit armé touillé pour nos paroles, il t'a parlé de corruption. Et dans ce sens, nous demandons à tout secteur dans la vie nationale là, pour lever campé, pour venir participer dans la marche qui a fait vendredi 29 là, à 18 après, nous avons commencé sur place, nous avons des salines non. Par quoi, nous avons sorti sur place, nous avons des salines non. Nous avons fait Rimani, nous avons monté par Jean-Paul Dé, nous avons campé devant le ministère de la Justice, nous avons fait un premier arrêt pour demander justice. Pour PA et tout l'autre monde qui tombait par balle bandit armé, que nous dit que faut que ça change en deux pays. Deuxièmement, nous avons continué pour nous arriver devant l'église dans sa quelqu'un qui n'en tige pas, parce que c'est là Père Joseph Simoli tape des servis communauté haïtienne. Non? Et dans ce sens, nous avons campé dans la foi devant l'église pour nous faire la prière et puis pour nous demander justice encore pour PA, parce que nous ne parlons pour que sans PA coule pour grand merci. Et puis, la justice va dire l'enquête c'est poursuivi. Nous pas d'accord dans ce sens. Nous disons qu'il faut que la justice fait lumière sur ce dossier. La communauté nationale, là, internationale, qui suivent le pays, qui regardent ce qui a passé, qui dit que est-ce que le pays a marché, est-ce que nous l'État. Mais puisque tout le monde a baigné dans la corruption,
président a dit que sur les tribunaux Nations Unies, il a dit à combattre corruption en six fois de deal. Mais je le dis, le président de la République là, équipe qui n'est pas la nationale là, il ne peut jamais révoquer ou sur la loi qui sont fugitifs de la justice haïtienne. Il ne peut jamais révoquer ministre qui était là à faire ça là, il a été révoqué pour quitte, bah, il a bah, volé quitte, et bien je le dis à la parole nationale. Je le dis à nous, le peuple là, pas arrêter chita la caillou. Mobiliser pour sortir, pour prendre la rue, parce que 31 décembre, nous avons là, nous avons un Sud Miki qui est un artiste, Diazia, qui a joué un bal pour 100 dollars. Non, il y a un gros nacreb qui est Taras, côté petit Olivier Matéli, acheté pour 4 millions de dollars. Quand Matéli a travaillé, quand il y a des jeunes comme ça, qui peuvent mettre du job, il a gagné un men. Je le dis, nous disons, peuple là, a demandé, content de tout ça qui passe. Et dans ce sens, ça qui fait que nous disons que la corruption a fini avec le pays, nous voyons que le pays a parlé de corruption, il y a tout et bien, il y a prêt pour tout il y a assassiné un pile de nos corps, nous-mêmes, nous commençons à camper pour nous défendre ça, nous disons, jusqu'au bout, ça va rester comme ça, il faut que le pays ait une justice. Coordonnateur général Office national migration en Eudes la Joie, pour tes précisions mercredi, sous subvention, Biro l'a dirigé à bail un groupe militant proche pouvoir qui toujours massé devant Biro ONM l'an, vient chercher Tichotcho pendant les derniers jours. Dans une interview li bay Radio Kiskeya, Eudes la Joie dit reconnaître bail militant subvention par entrée dans l'attribution ONM. Cependant, il prend décision ça pour accompagner militants de base qui tape supporter équipe qui sous pouvoir depuis la campagne électorale là. Sous dossier 2000 militants ak déportés au recevoir, c'est celle 380 moun yap kapab bay en 3 à 20 000 goud à cause budget biwa pa permet yo bay tout moun selon responsable la. Coordonnateur général Office national migration en Eudes la Joie, tenan micro Renal Guerrier. Principal sous responsabilité ONM, yo plaignez le fait que compliqué doué al joine plutôt militant et au même temps pas joine rien. Non, c'est pas que déporté ou pas joine rien. Ce n'est pas que déporté ou pas joué dans rien. Dans la sélection nous faisons, ce n'est pas même moi-même qui est responsable de ça. C'est 11 amis qui sont dans l'équipe. C'est Volmar avec Kepo, Tiketo, qui m'ont responsabilisé ramasser les pièces. L'un a sélectionné, moi-même, moi suis d'avis pour déporter ou prioritaire parce que mission ONM c'est d'abord pour déporter pour rapatrier mais il arrive que il y ait incompréhension de part et d'autre à l'interne il y a incompréhension il y a moun en dedans ONM qui soulevé cap soulevé déporter pour yo faire des ordres pour yo craser pour yo briser conseiller yo faire organisation pour bailler pression et avec un bande audio qui m'a là employé ONM non un haut responsable de l'ONM ou licité non non un message à déporter hein, c'est madame Amélie alors c'est pour mais c'est comme ça ambiance là ça qu'a fait là des tractation à l'intérieur même de l'ONM, justement, je ne sais pas à qui fin, est-ce que c'est peut-être pour être capable de créer une nuisance à moi-même, mais peut-être mon nous n'avons pas droit de connaître. Ce n'est pas Jude Célestin qui n'a pas le national. Ce n'est pas Madame Jude Célestin, c'est le madame. Ce n'est pas Moïse Jean-Charles qui est au palais. Et ce n'est pas Marise Narcisse. C'est Jovenel Moïse. Président, nous t'es voté, peuple haïtien t'es voté. Et président Jovenel Moïse, c'est parce qu'on s'arrêtait, lui confier à une série de monde qui étaient autour de lui dans la campagne là, des postes. Maintenant, la situation étant, Jean nous présente à la monsieur la joie, qui Jean au café pour remédier cette situation? Parce que chaque jour, nous sommes venus devant, hein? Des fois c'est la police qui venait pour disperser, pour nous mettre calme. Qui gens nous-mêmes, administrativement, sont capables de remédier la situation? Bon, naturellement, il faut que je profite et remercie le commissaire du gouvernement. À chaque fois, nous frappons la porte, qui toujours presse vite, fait nous gagner patrouille la police.
et nous remercier tout la police encore une fois qui répond avec mission là, qui s'est protégé et servir. À chaque fois nous frapper portio, yo toujours venu à temps et certaines fois les bagages yo voulaient dégénérer. La police yo qu'on a demandé, policier yo qu'on a demandé, comment nous on ka faire là, nous toujours demandé yo pour nous pour yo observer calme yo, pas à la violence avec militants yo, parce que militants yo, yo pas de problème de fond avec moi, mais son subvention qu'a fait, tout le monde ta content, c'est yo pour joindre un chèque, mais malheureusement capacité ONM bourse ONM pas permettre de faire subvention pour 2000, pour 3000, pour 5000 monde. Au contraire, c'est un grand effort que nous fait les nous arrivé sélectionner 380 monde et encore une fois me remercier tout et me saluer courage ministre Auguste Stéphanie qui c'est chef tutelle nous qui toujours collaborer avec nous dans toute initiative que nous apprend pour ONM justement pour atteindre couche qui beaucoup plus vulnérable. PDG groupe croissance là économiste Kessner Farrell qui t'a analysé performance économique et financière Haïti pour année 2017 là déclaré situation économique pays a été difficile pendant année. Dans une rencontre avec la presse mercredi 27 décembre dans le complexe Lafayette, PDG groupe croissance là déclaré cyclone Mathieu et instabilité politique là c'est parmi facteurs qui la cause économie pays a été difficile. Monsieur Kessner Farrell souhaitait pour gain mesures structurelles qui prend bon côté gouvernement pour être capable d'atteindre la croissance qui te prévoit. Économiste Kessner Farrell, dans le micro d'Elson Gersin. Analyse performance économique et financière que nous faisons chaque année au niveau de groupe croissance. Je vais présenter le dernier chiffre que d'ailleurs HSI a publié la semaine, ça, que toute croissance dans tout. Ce n'est pas prévision encore que nous avons parlé de ça pour monnaie de fait. Nous avons seulement 1,2%. C'est ça que nous avons pour l'exercice fiscal 2016-2017. Là. Donc nous, Mathieu, tu es vraiment affecté à l'économie haïtienne. Là. Et pas oublier, Mathieu, tu es arrivé en début d'exercice fiscal, nous avons perdu à peu près 182 millions de gouttes selon les chiffres du gouvernement l'hiver. Et ça passé, nous avons un budget de 122 millions de gouttes que nous avons obligé de rectifier lorsque le gouvernement la fonte en venir à 114 millions de gouttes. Donc tout ça, et l'élection a été obligée de retarder tout, en pile incertitude qui était créée pendant l'année. Donc là, il y a des chiffres, investissement privé était seulement 0,9%. Et nous avons également les différents secteurs. L'agriculture font quand même une performance pas extraordinaire, mais elle fait 0,8%, des fois c'est étape négative. L'industrie manufacturière a augmenté de plus de 1% grâce à textile là. Donc la plupart des secteurs économiques n'ont pas vraiment évolué de manière très intéressante, qui fait qu'elle fait 1,2%. Mais ça qui dérange en pile, on a capable de dire, c'est l'inflation, hein, qui n'a jamais passé en bas de 12% en rythme manuel pendant toute l'année. Et en moyenne, taux d'inflation de 14,5%. Qui veut dire, souvent économique, pas quoi, qui va créer richesse, et même l'inflation aussi élevée, donc il y a un résultat extrêmement négatif en dedans pays. Hein. Donc nous sommes capables de dire, 12 mois plus tard, à 3 septembre 2017, la population haïtienne s'est appauvrie. La population haïtienne, condition de vie détériorée à cause du désastre naturel, là, l'incertitude politique qui était créée avec tout problème que nous avons pendant l'année. Premier secrétaire chambre député Jean-Willer Jean dressé un bilan positif ensemble travail député réalisé pendant deuxième année 50e législature. Parmi réalisation ça yo nous joignent environ 40 projets ak proposition loi député ont voté pendant deux sessions yo. Parlementaire Kidla dit li souhaiter collègue li yo travail dans même sens là pendant année 2018 là. Représentant circonscription Kwadebouquea dans chambre basse là dit li espérer nouvelle année a apporter progrès pour peuple haïtien yon yon façon pour condition la ville capable changer. Député Jean-Willer Jean, dans le micro Vilner Joseph, avec collègue Il Le Reste. Dans la commission, nous avons fait un travail pas nous et nous avons seulement été ensemble sénateurs et qui gagnent et des points d'ombre sous question au mandat et surtout à co-président pour reconnaître est-ce qu'ils ont transmettre des rapports commission CEPA ou encore ils n'ont pas transmettre. Mais nous disons que année ça pour nous, c'est une année qui est fructueuse pour surtout 50e législature là, en matière de travaux législatifs. Donc, vous avez fait un travail pour nous?
pense peut-être si nous suivons, nous votons plus qu'une quarantaine de lois, nous dit plus, nous votons. Et nous, surtout, travaillons en commission sur le terrain, nous travaillons en question TPS, nous travaillons en déplacement en PIA, et nous faisons un travail, nous avons des professeurs qui touchent là. Je dis à la majeure partie, si nous prenons un problème éducatif qui est censé résoudre dans la question professeur, c'est le travail commission en parlement. Je dis à yo capable de nous crédit, hein, mais même une commission de suivi qui vous travaille avec le premier ministre, travaille avec le ministre finance et ministre de l'éducation et commission qui est en chambre députée. Je pense que ça, c'est un gros élément que nous réaliser et permettre au moins un roufle de soulagement qui allait au bénéfice de tous les professeurs et élèves. L'autre bagage nous a dit, si nous avons gardé gros événements, parlement sont réalisés, c'est ACP. Mes amis, m'a dit que c'est un événement qui va un rayonnement extraordinaire. Et je dis à même sur le plan international, d'ailleurs, nous fait même déclaration ça. Et à mettre reprise que nous avons parlé dans la presse, nous dit que Haïti son terre d'histoire, Haïti son terre d'accueil et Haïti jodia était prouvé par rapport à ACP. Et nous gagnons un co-président ACP qui font véritable déclaration qui dit que c'est pour la première fois ACP UE organisé et au jeune tout accueil ça yo de gain planification au plus haut sommet. Et je dis yo même yo qu'on parle yo qu'on vend Haïti encore l'autre monde qu'on vend Haïti très mal, mais en venant d'Haïti pour eux même c'est un paradis. Je pense peut-être te gain la date même prolonger ces jours. Je pense que c'est un gros événement parlement et nous dit événement ça nous même nous consacrer li événement du siècle. Même pas dit nous pas faire rien parce que t'es une commission qui t'a travaillé. Commission li soumet un rapport. Rapport a seulement été rété et dans main co-président yo pour te connaître que t'as soumet li au bureau ou encore des bureaux, bureau chambre députée et bureau et sénat. Mais et ça même pas qu'à bord trop explication. Même connaît que nous même qui en a commission on te font un travail efficace et efficient au bénéfice de toutes et de tous. Mais je pense que y a des points que nous devons travailler sur eux. Vu que nous avons une question mandat qui entre en ligne de compte, ça vient permettre que les vignes, c'est comme si nous avons un boycottage, surtout dans la question séance, de façon dont nous avons avancé. Et troisième aspect, c'était la période de fête patronale, que moi-même toujours parlé de lui. Son période côté pour parlementaire encore, député ou sénateur, et son période de retrouvailles, une période côté pour rejoindre Moun Lakaili, ça, je pense, c'est un pile député, un pile sénateur, et dans la période là, qui t'a rejoint Moun et qui est dans la zone Lakaili. Jean Hibert, qui sont co-gardien de but, je ne veux dire, qui est paralysé, et puis si tu as travaillé dans le bureau, nous avons un roman, nous avons un grand gardien de but, un grand chanteur de jeunes garçons, même j'avais, je ne veux dire, les gens des paralysés, tout. Mais ça, nous faisons au moins pour éviter la population, pour mettre la population avec éducation sanitaire là, mais tout pour connaître qui ça pour manger, qui ça pas qu'à manger. Docteur Adrien Raymond, un ambassadeur haïtien qui marque l'histoire diplomatie haïtienne, non? Recevoir un dernier hommage dans l'occasion de ça qui te rassemblé un bon valet monde dans le candidat Valéris. Ancien secrétaire d'État affaires étrangères sous régime tête calée numéro 1, Docteur Henri Robert Sterlin, présenté des faits comme un coquin de chaîne, patriote avec un goût intellectuel. Le docteur Adrien Raymond laisse à ce coin de terre le souvenir impérissable d'un patriote émérite, d'un père de famille à tous égards exceptionnel et avant tout l'image d'un intellectuel inscrit dans la lignée des Hannibal Braille et Anténor firme. Pour parler de dimension chef diplomatie, docteur Adrien Raymond Théa, ancien secrétaire d'État affaires étrangères, Dr. Henri Robert Sterlin, rappelait une parole, ancien président américain George W. Bush père, te dit concernant l'ancien ambassadeur. George Walker Bush Senior disait qu'il est à tous égards un remarquable diplomate au service de son pays Haïti, gratifie les générations montantes d'un héritage de qualité, à mes yeux d'une richesse inépuisable. Cet hommage prestigieux
venu de la part du chef de l'État d'une très grande puissance n'est pourtant rien à côté de l'unanimité des formes de reconnaissance. Docteur France-Marie Bertol, un bon ami, Docteur Adrien Raymond, parlait de gros rôle de fait été joué dans mettre campé un clergé haïtien dans l'église catholique sous régime Papadoc là. Dans la foulée du pape Jean 23, ce pape venu du monde rural, Vatican II, apportait une sorte de second de souffle à la cuvée romaine. Le docteur Adrien Raymond, parmi tant d'autres, sera l'un des instigateurs et des pères de l'indigénisation du clergé. Le docteur Raymond sera devenu, peut-être à son insu, l'artisan de la nouvelle Pax Romana. Dirigeant quelques jeux Victory Sportif Club, docteur Raymond était dirigé dans les années 60. T'es parmi les gens qui t'es venu rendre Lyon dernier hommage. Président Club Lagui Alain rappelé go travail et les faits dans le football haïtien, spécialement dans Victory. Le Victory lui doit beaucoup. Tout d'abord, comme médecin de club, tâche, il accomplissait avec une rare compétence. Depuis 1953 et plus tard en 1961. Comme président du Victory, qui assurément représentait sous sa présidence l'une des plus fortes formations de l'histoire de notre football. Le docteur Raymond nous a légué deux précieuses coupes en 1962. La coupe Pradel, de la coupe d'Haïti, d'alors coupe Vincent. Docteur Adrien Raymond fait 30 juin 1928. Après études secondaires, il était entré dans la faculté de médecine. Côté le sorti avec diplôme médecin, défunt et présenté comme une des plus gros cerveaux au régime du Valier. Il a tout fait en licence dans sciences politiques dans l'Université de Mexico, selon information. Ancien secrétaire d'État affaires étrangères haïtien a été représenté à Haïti dans le pays Mexique à cause des États-Unis. Docteur Adrien Raymond, qui est papa ancien ministre planification sous régime Martelly à Joseph Agouti Raymond, est engagé en pile dans le football haïtien. Selon le président Victory Sportif Club Blagui Allen, ancien joueur football haïtien, fait qu'on est, c'est 7 mars 2015, ancien dirigeant équipe là participé à l'Assemblée Générale Club Blanc pour une dernière fois. N'a pas signalé Docteur Adrien Raymond, c'est grand frère Claude Raymond. Yon lot gros bois, régime du Valier, maladie pote la le 22 décembre passé. Ferd José, porte-parole syndicat des enseignants de la Gonave SEG, a Colner Mertilus, porte-parole coalition projet de nationalisation des écoles communautaires de Cité Soleil, PRONEC, passé dans Télékis qui a pu dénoncer responsable système éducatif là. Yo dit qu'il te promet qu'il a payé yo avant 24 décembre, mais qu'il pas respecté promesse yo. Des professeurs qui déjà planté piquet dans direction départementale l'Ouest là DDO fait qu'on est apprêté mobiliser dans bureau jusqu'à ce que ministre éducation nationale là Pierre Josué Agénor Kader, président Jovenel Moïse et premier ministre là Jacques Guy Lafontaine paye yo au moins yon l'année sous 3 al pour 4 l'année yo droit yo. Une après l'autre Ferd José ak Colner Mertilus dans micro Wilson Frazier. Nous qui environ 3 qui dans nous qui gagne 3 à 4 ans depuis que nous travaillons dans le système éducatif haïtien, sans jamais toucher un goût haïtien. Donc, nous chita avec les responsables dans le système, nous te promettons d'ici fin mois décembre, alors avant 24 décembre, il y a déjà sorti des chèques pour que au moins, même une année, nous payions pour nous au moins de subsister avec la famille. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, nous passons jusqu'à 24, je dis à ce 26 décembre. Le Vinga dit qu'après 4 ans de travail, nous pas qu'à manger. Non, pas c'est José Ferd. Donc nous c'est des syndicats, ensemble de directeurs, professeurs, faisant partie PRONEC. PRONEC dans ses projets de nationalisation des écoles communautaires. Nous qui environ 3, qui n'en nous qui gagne 3 à 4 ans. Depuis que nous travaillons dans le système éducatif haïtien, nous avons formé. C'est quoi? Nous avons été là jusqu'à ce que nous prenions, nous payions pour nous déplacer. Et nous-mêmes, nous sommes représentants directs de la population. Nous, parce que c'est nous qui avons formé les petites personnes. Nous-mêmes, nous avons fait que nous avons mangé dans le bol de panne. Moi-même, après tout, nous sommes sortis du soleil. Nous, depuis hier, dans la rue. Et marron, parce que nous sommes dans le ghetto, depuis la fin d'année, nous disons que nous sommes fêtes. Et nous marron, que nous disons que nous sommes fêtes.
et depuis hier après-midi, on a fait contact la Gonave, Gangouave, Tigouave, le Hogan, on a fait contact ça, pour nous faire ça, nous faire là, et jeudi, et dans DDO. Et je ne vais pas vous mentir, si ministre Kader, président Jovenel, PM, pas dit non, un mot, qu'on y a là pour priver et à soi, on a fait tout le temps nos DDO, nous avons un drap, nous avons capette nous avons assiette nous avons cuillère nous et c'est sous en bas à l'heure où t'as pour une ambiance que nous avons en bas à l'heure côté nous bloquer service nous bloquer service. Ignace Morel, un citoyen qui sorti dans la commune Cité Soleil, localité Sarthe, dénoncé décision, il dit la mairie Cité Soleil prend pour faire moun kap vive dans la commune, payer année fiscale 2016-2017, il dit qui déjà passé, et c'est année ça a propriétaire enregistré dans la mairie. Monsieur Morel mandé pour mairie Cité Soleil là tourner sous décision là. Nous te recevoir une invitation de mairie Cité Soleil là. Donc pour nous, nous avons mis en règle avec la mairie. Donc nous sommes présentés dans la mairie. Mais la mairie fait un arbitraire sur nous. Il m'a dit pour nous payer pour l'année fiscale qui est déjà écoulée, qui est l'exercice 2016-2017. Donc nous trouvons que ça a son bagage qui non seulement inadmissible, mais il va entrer dans le cadre de la loi. Premièrement, car il n'a pas jamais enregistré. Parce que Cité Soleil, là nous avons commencé à vivre dans la commune, dans la localité. C'était sur compte mairie d'Elma qui était. La chambre décide pour la communauté, c'était sur la commune. Donc il n'y a pas de gens qui faire une démarche pour faire résident, venir enregistrer propriété au niveau de la mairie. Donc c'est année ça a commencé. Donc une fois que vous commencez, nous-mêmes allons. Donc ils m'ont dit pour nous payer arriérer sous bagaille que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Donc nous-mêmes nous connaissons d'après la loi. Le WAP taxe au monde, vous faites pour taxer pour l'exercice fiscal. Qui en cours là, ou pas qu'à sous en retard en tant qu'autorité, ou pas qu'à faire le payer, ou retard que vous-même, ou t'es adressé avec ces. Nous avons tout ça, ou pas nous là, donc dommage, nous pas qu'à montrer à grand public là. Donc, mais c'est la mairie nous demander pour être capable de tourner sur décision là, parce que nous croyons qu'il y a fait un peu d'effort dans le jour ça, pour faire que la mairie fonctionne normalement. Donc, mais si il y a un abus à faire à la population, hein, donc nous demandons pour mesures qui pourraient rectifier ça. Donc, pour la population, paye, ça doit payer. Une fois qu'il paye, donc là, même quoi que la mairie est capable de fonctionner, les gens doivent fonctionner. Guy André Fleurigen, sociologue, anthropologue, invité toute population en jeudi 28 décembre 2017 là, dans votre signature en livre, li a peine publié, qui portait titre La politique agri, une bombe à retardement du développement d'Haïti. Votre signature a fait dans plage Resto, avenue La Martinière, Boisvena, en face collège Le Normalien. Guy André Fleurigen a porté plus précision. Moi, à peine publié un livre qui a pas signature en Haïti. Titre livre, c'est La politique agri, une bombe à retardement du développement d'Haïti. C'est un essai qui est vraiment intéressant. À travers lui-même, tout le monde qui prend le temps pour lire, qui a fait de nouvelles acquisitions, et également par rapport à l'ensemble de propositions que nous faisons comme jeunes sociologues, anthropologues, nous avons des leaders dans différentes couches de la société, dans la communauté, qui ont des nouvelles dispositions, nouvelles décisions qui prennent dans le développement durable. Livre ça, quand on nous dit, il y a pas signature, n'a pas signature à livre ça, jusqu'à jeudi 28 décembre. C'est probablement le dernier ou encore seul plus grand événement littéraire qui a bien dans le pays. Événement ça l'a fait dans Plaza Culturel Resto, dans numéro 20, avenue La Martinière, Boisvernat. C'est de 10h à 3h30 PM à la rigueur, nous avons fini à 4h. En façon pour recevoir tout le monde. Livre vraiment intéressant pour venir dans votre signature là. Tant comme nous déjà, livre ça, tout le monde gagne. Tout le monde gagne, petit monde, jeune, grand monde, nous tous gagne. Et de vous, son monde qui aspire à venir leader, que ce soit leader politique, leader religieux, de vous aspirer à venir responsable de famille, vous devez lire un livre comme ça. C'est peut-être ça d'encourager toute plateforme politique, parti politique, tout groupement social, tout le monde dans la société civile là, tout ministre, sénateur, député, magistrat, délégué de ville, AZEC, KAZEC, tout le monde qui au timon des affaires, qui ont une responsabilité dans la fonction publique, là, nous invitons pour acheter un livre comme ça. Livre ça, livre 1000 gouttes. 1000 gouttes pour le monde qui a travaillé, le monde qui a moyen,
Mais pour jeunes écoliers et universitaires, livre la vente 750. Si on ne parle pas de chance de participer avec nous dans votre signature, là, toujours une possibilité pour gagner un livre, là, parce que pour gagner l'autre votre signature à partir de 2018. Là. En contre, nous mettons le numéro de téléphone nous disponible pour si on ne veut pas gagner un livre là, avant la prochaine votre signature, là, pour les rejoindre. Le numéro de téléphone, là, ma baou, nous mettons noté, c'est 37 69 01 22. Ma propre numéro en problème, c'est 37 69 01 22. Dans l'actualité internationale, dans la Fédération Russie, il y a une explosion dans une maquette. La cause, plusieurs personnes blessées. Pour petit 10 personnes t'a blessé, parmi eux 4 t'a pris soin à l'hôpital mercredi soir. Il y a une enquête l'ouvrit pour action criminelle ça. Dans Libéria, observateur international, ensemble avec ancien président nigérien, Goodluck Jonathan, bat bravo pour deuxième tour élection présidentielle là, qui était bien déroulé Madia avec footballeur George Weah et puis vice-président Joseph Boaké. En Ukraine, plus passé 300 prisonniers a bien pour participer dans pigou opération échange prisonniers qu'a fait depuis commencement la guerre Ukraine dans l'année 2014. Échange ça a négocié entre Petro Porochenko, Vladimir Poutine avec responsable l'église orthodoxe russe là, dans cas d'accord Minsk yo qui était signé en 2015. Plus détails avec EO News. À Saint-Pétersbourg, en Russie, une explosion dans un supermarché a fait plusieurs blessés mercredi soir. La détonation s'est produite à 18h30 heure locale, dans un magasin de l'avenue Kondratiev, dans le nord-est de la deuxième ville de Russie. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Le comité d'enquête russe a confirmé la découverte d'un engin explosif artisanal d'une puissance équivalent à 200 grammes de TNT. Selon les médias russes, le supermarché se trouve dans un centre commercial fréquenté par des milliers de personnes au moment de l'explosion, en cette période de préparatif du nouvel an. Le dépouillement est en cours au Libéria, où avait lieu ce mardi le deuxième tour de la présidentielle entre l'ancienne star du football George Weah et le vice-président Joseph Boakai. Les observateurs internationaux ont globalement salué la bonne tenue du scrutin, à l'instar de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, venu superviser le comptage des voix. Je répondrai à ceux qui seraient tentés de contester l'issue du scrutin que dans chaque élection, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de match nul. Au football, il peut y avoir égalité. Dans une élection, quelqu'un doit gagner. La commission électorale nationale s'est aussi félicitée de l'absence d'incidents majeurs. Le premier tour avait été marqué par le recours du candidat arrivé troisième qui avait dénoncé des fraudes. Jusqu'ici, le processus électoral du deuxième tour s'est déroulé dans le calme, avec de nombreuses améliorations depuis le scrutin du 10 octobre 2017. Le scrutin pourrait marquer la première alternance démocratique en plus de 7 décennies au Libéria, un pays pauvre, meurtri par une guerre civile et plus récemment l'épidémie d'Ebola. Favori pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, qui ne pouvait pas se représenter, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain George Weah s'est dit sûr de sa victoire en allant voter. Il avait recueilli 38% des voix au premier tour. Son adversaire, Joseph Boakai, qui a contesté pendant des semaines l'issue du premier tour, a promis de se plier au résultat des urnes, sous réserve qu'il respecte toutes les normes. Il devrait être connu dans les prochains jours. Ce sont les premiers prisonniers à être échangés depuis 15 mois, et ils vont faire partie de la plus grande opération d'échange depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2014. Kiev va procéder à la libération de 260 personnes détenues dans ses prisons. Côté rebelle, le chiffre de 70 est avancé. Et c'est l'ensemble des territoires tenus par les combattants pro-russes qui sont concernés, la République autoproclamée de Lugansk et celle de Donetsk. Plus de 60 personnes sont toujours à Kiev. Ils n'ont pas été inclus dans la première liste. On les a donc inscrits dans la deuxième étape de l'échange. Nous ne les avons pas oubliés et je suis sûr que nous en rediscuterons après le nouvel an. Kiev devait à la base libérer 306 personnes, mais une partie d'entre eux aurait refusé, et ce pour des raisons qui demeurent mystérieuses. Ceux qui ont accepté ont été menés en bus jusqu'au checkpoint de Mayors, près de la ville de Orlivka, située à la limite des zones contrôlées par les rebelles et l'Ukraine. Cet échange négocié entre Petro Porochenko, Vladimir Poutine et des responsables de l'église orthodoxe russe fait partie des accords de Minsk signés en 2015. Depuis le début de la guerre, l'ONU estime que près de 10 000 personnes sont mortes lors des combats dans les régions de l'est du pays.
Merci tout le monde pour attention. Nous, dans le micro, pour te présenter au journal ça, c'était Farah Sedan. Au revoir.